Bonjour à toutes et à tous, c'est Jojo Mécanique. Voilà, c'est ce qui vient juste après, c'est le même jour. Mais je les sors à 2 jours d'intervalle, on sent moins. Voilà, je vais vous montrer aujourd'hui comment changer une biellette de direction. Donc cette fois-ci par du neuf, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo. Voilà, par du neuf. Donc voilà comment ça se présente comme c'est neuf. Donc normalement il y a un boulon qui vient dessus, mais on va récupérer l'ancien. Donc voilà, allez, c'est parti, on va commencer ça. C'est parti. Donc voilà, je vais vous montrer les étapes à suivre pour changer le rotule de direction. Je vais vous décaler un peu, vous mettre ici dans cet angle là, en espérant que vous verrez bien. Je pense que oui. Donc sur WD40, on n'a pas peur, on y va. Voilà, on n'a pas peur. C'est que du WD40, ça va pas vous manger. Ça n'a jamais mangé chez personne jusqu'à présent. En dessous. Alors, j'ai l'autre douille parce que là j'ai un peu cette douille. Pas le dévisseur. Voilà, ça y est. Un peu capricieux, c'est normal, et il n'a plus toute sa jeunesse la rotule. Maintenant que c'est desserré, on va y aller avec la clé plate. Et on descend le boulon jusqu'à l'enlever. La haute direction, c'est pas compliqué à changer, hein. Tout le monde dirait que c'est compliqué. Bon, il y a besoin de faire un parallélisme juste après avoir changé les routes de direction, parce que quand on change une, on change l'autre avec. Moi j'ai déjà changé le côté hier. Hier j'ai fait ça et ça, mais j'ai oublié de faire une vidéo, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pensé. Mais si je vais leur faire quand même une vidéo, il n'y a pas eu de vidéo, ils n'ont pas eu de vidéo là-dessus. Et puis en ce moment, je fais leur vidéo que pour parler, donc ça sert à rien. On va leur montrer quelque chose d'utile si un jour ils ont ce problème là. Donc voilà, on n'enlève pas encore, on la laisse dessus. On la laisse dessus encore pour l'instant. Parce que là, je crois que c'est du 17, il me semble. Ah non, c'est du 19. Donc voilà, ici il y a un écrou, il faut le desserrer aussi. Voilà, vous le desserrez, vous l'enlevez pas, vous pouvez pas l'enlever, hein. Je vous montrerai après. Eh ben, ah. Donc voilà. Vous desserrez quand même un petit peu, quand même, pour qu'il puisse nous laisser de la marge. Ici, non, c'est 17. Ici, voilà, c'est 17. Voilà. Histoire qu'il soit dévissé. On remet à sa place. Voilà. Et là, je vais y aller avec le marteau. On ne sait pas s'enlever, même si. De toute façon, on l'enlève, alors autant taper au-dessus, hein, tant qu'à faire. Voilà. Vu qu'on l'enlève, on s'en fout. Et maintenant, on dévisse et on compte les tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, 18 et après on s'enlève en bas. Donc voilà pourquoi compter.
quand vous allez remettre la neuve pour éviter de trop pour éviter d'avoir trop de jeu dans la direction. Voilà, quand vous allez faire le parallélisme. Donc ça enlève vers le bas. Donc je récupère le boulon. Parce qu'on va en avoir besoin pour serrer, bien évidemment. Donc vous voyez hein, comment ça s'enlève, c'est pas bien compliqué. Donc vous faites ça et si vous changez vos rotules de direction, faites le changement le matin et allez au parallélisme l'après-midi. Voilà, prenez rendez-vous pour 14-16 heures et après allez faire le parallélisme. Donc on remet l'ancien écrou sur la nouvelle puisque c'est pas livré avec. Voilà, on va dégraisser un peu tout ça et après on reprend. Allez, cette fois-ci, on la remet. Un petit peu de dégrippant histoire que ça grince pas trop dedans. Voilà, pas trop non plus, hein. Faut éviter que ça rouille aussi. Et allez, on recompte. Reconnaissant que ce vis. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà, ça passe pile en face. Et ce bivy est pile poil en face. Voilà. Et on n'a pas touché au disque de frein. C'est génial. Donc là, le boulon. Vous ne le serrez pas encore, d'abord vous mettez la rotule dans son emplacement. On met l'écrou qui est tout neuf, bien évidemment, avec un petit peu. Ce que, en fait, quand vous achetez un boulon, que vous voyez le bleu qui est à l'intérieur là, s'il veut bien. Voilà. Allez, s'il te plaît. C'est pas sur mes doigts qu'il faut. Ah, il est chiant cet appareil photo. Bon bref, quand vous voyez le bleu qui est à l'intérieur là, c'est du frein filé. Voilà. C'est du frein filé qui est d'origine mis dessus en sortie d'usine. Comme ça, quand vous allez serrer, ben, le vis il va pas bouger. Et c'est ça la plupart des temps qui nous bloque les vis parce qu'au garage, ils servent ça comme des ports au garage. Et après, nous, quand on est en panne et qu'on veut faire la réparation tout seul pour éviter de payer trop cher, ben, après on est dans la merde. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois tout le temps d'éviter de serrer comme des porcs. Parce que vous allez serrer comme des porcs et après vous allez plus pouvoir dévisser. Au garage, oui, parce qu'ils ont les péteuses, ils ont tout ce qu'il faut. Mais après, vous, non. Si vous avez une péteuse, tant mieux. Tant mieux. Mais bon, faut pas croire, il y a des moments, même les péteuses ne servent pas tout. Hein. Des moments, ça, je vous l'assure, j'ai travaillé dans des garages, la péteuse n'arrivait pas à desserrer. Et ce que j'ai fait, ben, vu que la puteuse n'arrive pas à desserrer, ben, j'ai attrapé une claque qui a eu une barre de force et j'ai réussi. Et puis après, j'ai fini à la puteuse. Donc voilà, les puteuses ne peuvent pas tout desserrer. Voilà. Il y a des boulons qui sont impossibles à desserrer parce que soit la puteuse n'est pas assez puissante, soit elle est trop vieille, enfin, parce qu'elle a beaucoup servi. Voilà, donc soit il n'y a pas assez de pression qui arrive dedans, donc le compresseur est trop petit. Il y a plein de choses, mais dans un garage, en général, c'est des puteuses puissantes qu'ils ont. Il y a même des garages qui prennent même carrément des puteuses de camion. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, une fois que c'est serré, ne resserrez pas comme un porc. Et on va resserrer cet écrou-là avec du 19. Ça m'énerve. Il m'énerve cet appareil photo. Voilà, 19. Et allez, on serre à ne pas serrer, bien sûr, celui-là aussi comme un porc. Voilà, vous serrez juste un peu comme ça. Et voilà. Donc ça, après, c'est terminé. Donc voilà, on a une belle rotule de direction. Toute belle. Et ouais, bon bref, elle va se remettre en place toute seule quand je remets la voiture.
toute belle, toute neuve. Voilà, c'est tout joli, c'est tout beau, tout propre. C'est magnifique. Donc vous avez vu, l'ancienne, elle est là. Elle n'était pas très belle. Donc vous avez vu là, c'est impossible de le bouger. Hein. C'est quasi impossible, c'est même impossible. Alors que elle, on la bouge même avec le pouce. Regardez, on pouvait même jouer aux anciens jeux vidéo. Vous savez, les anciens jeux vidéo avec les trucs là pour jouer là. Et bien là, on pourrait quasiment faire pareil, mais avec le pouce, comme les analogues de PS3. Voilà, on peut la bouger. Donc c'est signe de faiblesse pour les rotules de direction. Donc ça, poubelle. On va le remettre. Du coup, ben, on n'a pas ce qu'on a reçu. Donc n'oubliez pas que pour faire des changements comme ça, il faut quand même être équipé un petit peu. Il faut pas y aller. Bon allez, j'ai un marteau et une pince. Bon allez, ça y est, je vais mettre à la mécanique de ma voiture. Non, ça se passe pas comme ça. C'est pas parce qu'on a un marteau et une pince qu'on peut y arriver. Vous voyez, je suis quand même équipé, j'ai quand même pas mal de choses. Et voilà, j'ai ma caisse à outils après qui est derrière là-bas. Oula, voyez, elle est là. Donc voilà, je suis quand même pas mal équipé. J'ai tout ce qu'il faut. Faut quand même être pas mal équipé. Hein. Faut pas se dire que ça y est, on a un tournevis et un marteau, que ça y est, on va pouvoir attaquer une voiture. Non, non. Voilà. Essayez quand même d'être au moins le minimum équipé. Je vous demande pas d'être équipé comme un garagiste, mais au moins le minimum, hein, comme moi, ça suffit, ou même moins que moi, ça suffit, histoire d'avoir les douilles qu'il vous faut, et quelques clés plates, et quelques clés à pipe, ça peut toujours servir. Les clés à pipe, on n'en sert jamais pratiquement. Voilà, je vous dis la vérité. On n'en sert pratiquement jamais. Donc on va remettre ça là-bas. Vous voyez, après j'ai encore tout dedans. Donc ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Donc je vous dis à tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour la prochaine vidéo, qu'est-ce que j'ai à changer dessus? Ben pour l'instant, ben je sais pas. Je pense qu'il n'y a plus rien à changer dessus. Si, j'ai le joint du turbo à changer parce qu'il fuit. J'ai le joint de retour d'huile qui fuit. Je vais vous montrer, c'est... Il est en train de m'en foutre partout. Le turbo, il me... Regardez-le. Le turbo, il me fout de l'huile partout. C'est dégueulasse, c'est crado. Et j'ai remarqué que ça venait du turbo. Alors, quand j'ai changé de turbo, j'ai oublié de remplacer les joints. Parce qu'il me semblait qu'ils étaient bons. Mais du coup, en fait, ils sont pas bons. C'est pas grave. C'est une petite erreur qui peut arriver. C'est sur ma voiture, ça je m'en fous. N'oubliez pas que sur la voiture des clients, je remplace toujours les joints. Toujours, toujours, tout le temps, tout le temps. Même si ça a été remplacé il y a une semaine, je change de joint quand même. Voilà, on sait jamais. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.